Bonjour à tous, je vous fais un retour aujourd'hui sur des graines de glycine que j'avais mises à germer. J'avais fait une première tentative où ça avait bien pourri, c'était dans du sopalin. Les graines avaient commencé à moisir, je les avais nettoyées, j'avais transféré celles qui restaient, j'en avais remises en sopalin, je crois, un petit peu, et d'autres en sphaigne. Mais malheureusement, je pense que le moisi était là et donc ça n'a pas forcément marché. Donc j'ai pris les principales qui étaient déjà bien germées et je les ai mises en terre. Donc, vous voyez, ça reste petit, mais je pense que la glycine est suffisamment résistante pour en avoir fait. Et voilà ce que ça va donner. Et aujourd'hui, j'ai fait une photo là ce matin. On est le 22 mai et voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est plutôt bien parti. En haut à gauche, les dernières là qui n'étaient pas encore germées plus que ça, mais ça va repartir. Je vais profiter d'une petite éclaircie en ce 6 mai, très 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 pluvieux. On est en fin d'après-midi, là ça commence à se calmer un petit peu et je voulais vous faire un petit peu le tour de ce que je vais redispatcher dans le jardin. En fait, c'était une partie de ce que j'avais mis sous voilage. Donc il restait pas mal de choses. Là, j'avais réussi à accrocher un voile. Oups, excusez mes ongles, j'ai fait du jardinage. Il y avait un voile d'hivernage que j'avais réussi à faire comme une protection. Et du coup, il y a pas mal de choses qui avaient passé l'hiver dehors. Et ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Je suis assez contente. Faut dire qu'on n'a pas eu non plus un hiver très, 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 très rigoureux. Il y a juste l'olivier là qui a été ressorti et qui est arrivé là, en attendant de le replacer un petit peu ailleurs. Donc, ah oui, j'avais. Je suis super contente de ces deux grosses potées. Là, j'avais eu les pots gratuitement. Et au fur et à mesure, eh ben, je remplissais de choses. Alors, il y a des petits fraisiers, là, des petits fraisiers des bois. Il va y avoir de la fraise. Hein. J'avais mis une pousse de bambou. J'étais vraiment pas sûre qu'elle reprenne l'année dernière. Et puis, ma foi, elle est encore là. Donc, c'est super. Ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé, je ne sais plus où. Je ne sais même pas si ça donne des fleurs, mais j'aimais beaucoup beaucoup le feuillage. Il y en a un autre derrière, je pense que c'est le même. Ici. Donc ils ont bien repris. C'est franchement impressionnant. Et derrière, il y a un espèce de tuteur là pour le chèvrefeuille. Alors lui, le chèvrefeuille, il s'éclate. Il a très bien poussé depuis l'année dernière. J'avais planté des boutures là de mon chèvrefeuille principal. Enfin, il y en a partout dans le jardin en fait. Et j'en avais replanté ici. Et en fait, il s'éclate. Il est reparti là au printemps. Nickel. Il va falloir que je tuteure le le reste, ce qui dépasse là, pour pouvoir le gérer un petit peu. Je vais peut-être le faire redescendre sur le treillis et puis remonter. On verra bien. Mais en tout cas, j'adore la profusion. Ici, qu'est-ce que j'avais? Ben, il y a aussi un pied de chèvrefeuille en fait qui est parti en je ne sais combien de ramifications. Une, deux, trois, quatre, cinq, il y en a une là, six, il y en a une là. Alors je pense que c'est un seul pied de chèvrefeuille hein, qui m'a fait sept ramifications. Ça marche bien. J'avais planté deux trois trucs, je trouve ça sympa. En tout cas, c'est assez fourni. Les espèces de fleurs, je sais pas si ça va donner. C'est des belles fleurs oranges, j'ai pas le nom. Là, c'était un châtaignier, une châtaigne qui avait germé, mais il pousse super bien. Et puis, bah, j'aime bien ce genre de petites feuilles, petit feuillage graphique, c'est super sympa. Et puis, je crois que c'est tout ce qu'on a par ici parce que c'est déjà pas mal. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des mauvaises herbes, mais ça fait une petite compo très sympa. Et ça, je ne sais plus. C'est une. Je me demande si c'est pas un noisetier. J'ai un doute. Vraiment, c'est peut-être quelque chose qui a poussé tout seul. Ça me dit rien. Derrière, on a des choses qu'il va falloir que je ressorte. Ça, c'était des euphorbes. Ils ont l'air de bien pousser, on verra ce que ça donne. Ça, des petites plantes grasses qui sont en train de fleurir, qui finissent de fleurir. Là-dedans, je crois qu'il y avait un chêne. J'avais dû planter un gland à une époque. Voilà, du lierre.
Et ça, alors en fait, je vous retrouverai le nom, je ne me rappelle jamais, mais en fait, ça c'est une bouture de cet arbuste qu'on a depuis longtemps, qui est vraiment, qui est planté en terre. Et je m'étais amusée à faire une bouture et ça a très bien pris. Je me demande si c'est pas le même que celui qui est là derrière. Je crois que c'est de la même sorte. Mais elle est plus petite vu que celle-ci est en pot. J'ai un doute. À vérifier. Alors juste à côté là. Tout, il y a quelques fleurs que j'avais plantées. Normalement ça fleurit ça. Et ça revient tous les ans. C'est annuel. Et derrière, en fait, le pot, là, tout ce qui est cramé. Ah, il y a juste celui-là. J'ai dit que ça s'était bien passé, mais celui-là, de toute façon, il ne se sentait pas bien non plus déjà à l'automne dernier. C'est un pommier d'amour qu'il va falloir que j'enlève. Il n'a pas survécu. À côté. Oh là là. Une magnifique glycine. Je crois qu'elle a 3-4 ans. C'est possible que ce soit ma plus âgée en pot. Magnifique glycine, pardon. Oui, qui donne déjà. Hein. Ça, je pense que je vais pouvoir la faire grimper, peut-être le long du mur là. Je sais pas trop. J'ai peut-être envie de la mettre dans le coin quand on aura enlevé celle-ci. À revoir. Mais en tout cas, elle se porte comme un charme. Elle se fait bien manger aussi apparemment. Ça, c'est autre chose. Ici, alors il va falloir que je nettoie tout ça. Ah, c'était quoi là? Je ne sais plus du tout ce que c'était. Me demande si c'était pas un petit mirabellier. Oh, je reconnais plus les feuilles, je suis désolée. Là, c'était un. Je crois que c'était un chêne aussi. Non, pas un chêne. Non, un châtaignier. J'ai un doute. Décidément, je ne sais plus trop. Ah, j'avais le. Alors, j'avais mis une étiquette, sauf que c'est génial, ça s'est effacé. Je sais plus. Si quelqu'un sait, dites-moi dans la jardinière ce que ça peut être. Alors, ce que je sais, c'est que ça aussi, c'est. Je vais vous remettre le nom, c'est le même que celui qui est en terre là. Ça c'est sûr. Devant un autre pot de bambou. Ça c'est cool. Il reprend. C'est génial. Derrière ici. Hop. En dessous, je ne sais pas trop. Et en tout cas, ici, c'est un abricotier qui va très très bien. Je suis super contente qu'il ait réussi à passer l'hiver sans encombre. Oh là, il y a un nuage. Juste à côté, j'avais fait des petites pousses de fraisier, de menthe, et là il y a un figuier. Ça, c'était un bébé de notre énorme figuier. J'avais essayé d'en prendre un au pied et de le remettre là. Il a l'air de repartir. Bien. Puis la menthe, là, ça va faire du bien. À côté. Des boutures de lavande, bah, qui sont plus des boutures mais qui ont bien, ça y est, ça redevient des pieds mères. Je suis assez contente. Et ici, un mirabellier. Alors, quand est-ce qu'on en aura des mirabelles, ça reste à voir, mais en tout cas, il est super beau et il a passé l'hiver. Ouf, ouf, ouf. Ça fait une bonne potée bien touffue là aussi. Et ah oui, c'est du lilas. Il me semblait que j'avais des surplus de lilas de chez ma voisine. Ça a l'air d'être du lilas, ça. Ça, c'est une mauvaise herbe, je crois. Je ne sais plus. Et la lavande dans le fond. Donc, franchement, tout se passe plutôt bien. Alors, ici, est-ce que ça va. Je ne sais plus. Ça, c'était une plante. Je ne sais plus ce que c'est du tout. Ici, bon, j'avais là une plantation. Je crois que c'était des groseilliers. Je crois que c'est un groseillier, mais qui. Donc celui-là, ça fait. Il était déjà mort l'année dernière. Je le laissais au cas où, mais non, franchement, ça se confirme. Je vais l'enlever. Et ça, ce sont. Alors, j'ai déterré ceux-là parce qu'ils n'ont pas pris. C'était des marrons que mon fils avait ramené de l'école.
Et à l'automne dernier, on en avait planté, mais alors un sacré paquet, 1, 2, 4, 5. J'en ai 4 là-bas que j'ai déterrés d'une autre jardinière. 5 et 4, 9. Donc là, j'en ai rassemblé 2 qui sont bien partis. Alors j'ai 2 magnifiques marronniers à venir et un troisième ici. Pour l'instant, je le laisse parce qu'il y a peut-être éventuellement d'autres. Peut-être que ça va reprendre. Il y en a un là. Je sais qu'à un moment, j'ai remis un départ ici aussi. Peut-être. On va voir. Et puis, je ne sais plus s'il y en a un autre. Enfin bref. Pour l'instant, je laisse cette jardinière-là, cette potée-là. Et là, j'en ai rassemblé 2 en un seul pot. C'est sympa comme feuille. Cas, la couleur, ça flash. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le reste du jardin de l'autre côté. Ici, on a des petites plantations. Bon, c'est des petits bacs hein, qui ne sont pas très profonds et en fait, ça, c'est très 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 drainant. Je sais quand j'ai essayé une fois de mettre un eucalyptus, il a vécu 3-4 ans, mais au bout d'un moment, il pouvait plus s'étendre et il a crevé. Donc, je suis assez limitée en termes d'arbustes. Bon, il y a ces deux-là quand même qui ont l'air de tenir. Alors, je vous redonnerai les noms. On voit bien là son feuillage vert qui. C'est des nouvelles feuilles. Et des feuillages plutôt rouges dans les tons noirs, là, c'est les anciennes. Alors, lui, je le protège pas l'hiver. Hein, il tient vraiment bien. Bon, faut qu'il se. J'aimerais bien qu'il s'étoffe un petit peu plus. Ça fait normalement, ça fait une grosse boule bien touffue. Ici, j'ai une deuxième sorte. Pour l'instant, le feuillage est assez rouge, mais en général, ça devient plutôt foncé, tendance à noircir. Ici, ben, j'ai toujours pas les noms. J'ai récupéré ça de chez ma maman. Ça va pousser, pousser, faire de magnifiques fleurs en forme de trompe d'éléphant. Oui, c'est ça. De ce côté-ci aussi du jardin, bon, c'est vraiment pas encore installé. Je vais pas faire en détail hein, non plus tout ce qu'il y a. Je ne connais pas non plus le nom de tout ce que j'ai récupéré, bouturé, remis en pot. Mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu. Oula, il y a un nuage. C'était pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Il y a plusieurs choses qui ont passé l'hiver dehors, d'autres que j'ai ressorties comme mes citronniers. Et mes orangers là, ils étaient au sous-sol, ça fait un petit mois là qu'ils sont sortis, ça se passe très très bien. Voilà, c'est plein de mes petites plantations, je m'amuse à faire des boutures, de la sauge, tout ça. Là en dessous, j'ai une jardinière, faut que je la refasse. C'est un petit peu mon stock d'hiver qu'il faut que je nettoie. Ici, un rosier, un framboisier. Un petit peu de tout, là du lilas juste derrière. Wow, ça, je trouve ça très joli. J'ai chipé ça dans le jardin de ma maman. J'ai pas le nom, mais qu'est-ce que c'est joli. Là, c'est du persil que j'ai rempoté hier, de chez ma maman aussi. Ça, c'était un coléus que j'ai mis dehors au tout début, avant même le printemps, mais je crois que c'est mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite composition, faut que je nettoie un petit peu tout ce qui est séché. Ah, ça, magnifique. Oups, faut que j'enlève ça. Mon magnifique crassula. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça, les couleurs. Ça, c'est pareil, ça n'a pas bougé de l'hiver. Bon, c'était sous voilage, mais je suis pas sûre que le voilage était bien isolant, mais elle est vraiment somptueuse de toute beauté. J'ai un tronc qui est magnifique. Waouh, rayon de soleil. Ah, au bon moment. Elle est super jolie. Là, c'est des misères pallida aussi que j'ai essayé de bouturer. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, il y a un peu de tout. Hein. Oui, du lilas, vous avez vu. Et des boutures de chèvrefeuille. Celui-là, il a eu un petit peu mal cet hiver, mais je viens de le couper, là, ce qui était tout cramé, et ça a l'air de repartir. Encore du chèvrefeuille, c'est toujours sympa. Là, bon, je sais plus ce que c'était comme arbuste. Il a pourtant eu quelques années, mais là, je pense qu'il a rendu l'âme.
J'essayais de retrouver l'étiquette. Bon, je lui laisse encore une chance. Je l'ai rabattu là hier pour couper tout, vraiment tout ce qui était mort. Mais après, il y a encore un petit peu d'espoir. Mais bon, si c'est pour avoir deux tiges, ça va pas donner grand-chose. La lavande. Puis deux, trois petites bricoles. Là. Je sais plus ce que c'est. Des glycines là aussi. Voilà, c'était pour faire un petit tour d'ensemble. Ah oui, et la petite dernière. C'est mon fils qui m'a monté ça hier. Il m'a offert ça, c'est super. Je vais voir à quel usage j'en fais. Mais en tout cas, ça me permet de mettre des choses dehors qui peuvent être à l'abri. Parce que vu comment il pleut là en ce moment, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit un petit peu à l'abri. Tout en profitant de la lumière. Il faudra peut-être que je remette de l'eau à celui-là. Ah oui, c'est celui que vous aviez vu devant la maison, et en fait je me suis dit, j'allais le planter en terre, mais comme il est tout petit, je vais plutôt le mettre en pot pour l'instant. Donc ici, ah oui, ce sont les litchis que je sors, ça va être aussi simple. Là, c'est des clémentines, des citronniers qui sont en train de bien pousser. Et là en dessous, je viens juste de faire ça. Je vais tenter des boutures d'oranger du Mexique. Je vais les laisser sécher parce que pour l'instant, c'est pour ça que j'ai les doigts dans un état. Pour l'instant, en fait, ils sont très 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 mouillés. J'ai récupéré de la terre d'une autre jardinière et elle est détrempée. Donc en fait, le dessous des pots est troué, là, le dessous du petit bac est troué. Donc je vais laisser ça sécher. Ça va être plutôt à l'abri de la pluie et je pense que ça devrait être pas mal dans cette mini-serre. Rayon de soleil. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ont suivi, quand je vous disais que j'avais des abeilles charpentières qui butinaient la glycine là de l'autre côté. Oh, magnifique, la vue sur le cendrier. Désolée. Hop. Quand je vous disais que j'avais des abeilles charpentières. En fait, c'est sur cette petite établie, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, un ancien billot de boucher que j'avais récupéré sur le bon coin. Je le trouve super joli, donc il est vraiment en bois. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, bon, dans la jardinière qui est un petit peu décrépite, mais il y a plein de copeaux de bois. J'essaierai de vous filmer si jamais elles sont en train de gratter. Mais là-dedans, en fait, c'est plein de galeries parce que les abeilles charpentières, elles viennent en dessous. Elle se pointe et elle creuse des galeries. Donc il y a plein de points d'entrée et de sortie de galeries d'abeilles charpentières. Bon, j'essaierai d'en filmer, j'essaierai de vous montrer quand elle gratte. Ça fait vraiment de la poudre de copeaux de bois, c'est impressionnant. Bon ben voilà, c'était le petit tour de l'arrière-jardin sous une éclaircie. Waouh, je venais voir un petit peu le verrucosum pour vous montrer. C'était une acquisition du mois d'avril. Donc, waouh, il est très 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 sympa. Il est dans la box là, mais on verra quand est-ce que je peux le sortir. Donc, je venais voir un petit peu comment il allait et il va très bien. Je suis super contente et j'ai eu une bonne surprise. Ouh, ça, j'avais pas vu la dernière fois. Une feuille qui est en train de se préparer. Ah, c'est trop cool ça. Elle est toute palote là pour l'instant. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais oh là 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 là, c'est chouette ça. Donc une jolie feuille qui se prépare. J'en profite pour faire un tout petit tour de la box. Ça a bien changé parce que bon, ça n'arrête pas. Je sors des choses, je remets des boutures. Là, c'est mon Pilea glauca qui s'est senti pas bien alors qu'il allait très bien à un moment. Parce que j'ai trop arrosé, pas assez. Donc j'ai fait une coupe rase. J'ai même fait des boutures. Je ne sais pas si elles sont dans cette box-là. Bon, pour l'instant, je l'ai mis depuis 2-3 jours, mais ça a l'air de bien se passer. Là, il y a une petite Alocasia poli qui est toute seule. Bon, j'attends les prochaines feuilles, c'est sympa. Or là, vous l'aviez vu déjà, j'ai perdu quelques branches, c'était pas tip top. Ah, j'ai bougé. Bon, je ne me rappelle plus, non, bougez pas. Hop, 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 c'est ça, c'est du Senecio Bryonifolius. Et je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai coupé, il y avait une tige qui faisait une racine aérienne.
Et donc je l'ai coupée et je l'ai remise. Voilà, il y a deux tiges. Donc je l'ai coupée et j'ai mis la racine dans la perlite vermiculite. On va voir ce que ça donne. Là, j'avais des petites boutures de ma chaîne de dauphin. Elle avait des petites bestioles. Je pense qu'elle a pris des pucerons à un moment au niveau de ma fenêtre. Et j'en ai profité. Parce que j'avais des tiges qui donnaient pas grand-chose. J'en ai profité pour faire des boutures en perlite vermiculite. Affaire à suivre. Dessous, j'ai quelques petites feuilles de burrito. Ici, je tente une bouture de mon tout petit pied de bégonia amphioxus. Et je l'essaye aussi en perlite vermiculite. Bon, il a l'air de. Ça fait une semaine ou deux qu'il est là. Ça a l'air de se passer pas trop mal. J'attends de voir s'il y a des feuilles qui poussent. Je vais essayer de l'attraper pour regarder. Parce que là, du coup, je l'ai mis en tout petit contenant. Je l'ai. Bougez pas. Alors, regardons ce qui se passe. Ben, ça m'a l'air pas mal. Il y a deux petites feuilles qui ont séché, mais là, il y en a une belle au milieu. Ouais, bah c'était l'enveloppe, à mon avis, de la feuille. Bon, bah ça a l'air de plutôt bien se passer. Ah oui, puis là, ça pousse. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, en box, ça se passe bien. Mon autre pied, tout petit pied qui n'est pas en box, il végète. Ici, c'est une petite crassula, je crois. On voit bien les racines aériennes. C'est pareil, j'ai essayé hors de la box pour qu'il commence à faire enfin, avec des boutures hors de box, mais ça sèche. Donc là, dans la box, elle a l'air plutôt pas mal. Ici, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était des pépins, mais ça n'a pas l'air de donner grand-chose. À côté, alors j'ai remis mon philodendron Brantianum en box hein, parce que les feuilles elles n'arrivaient pas du tout à sortir. Donc là il y en a une. La petite qui était en préparation, pardon, la petite qui était en préparation, bah, elle est sortie, mais elle est vraiment rachitique. Ça c'était une plus ancienne, oui. On en a une autre là en formation, mais c'est vraiment pas un foudre de guerre. Hein. Ici, les anthuriums cristallines, silver blush, silver blush, blush, blush. Oui, bah, je sais pas pourquoi celle-là. Allez savoir, je vais voir si j'arrive à l'enlever facilement. Bah, d'accord, c'est la feuille qui s'est. J'ai qu'une main. Bon, je ne vais pas faire de bêtises. Je laisse la tige pour l'instant. Je l'enlèverai quand j'aurai deux mains. Est-ce qu'on voit d'autres départs? Je la laisse dans la sphène, elle est bien humide. On va voir ce que ça donne au niveau des racines. Je le laisse pour l'instant. Je ne veux pas l'embêter. Et l'autre. Oh! C'est encore tout petit, petit, petit. Mais il y a une nouvelle feuille là qui va arriver. C'est microscopique. Hein. Oh! Sinon, celle-là est. Cette feuille est toute belle, mais j'en profite pas trop parce que je n'ose pas les sortir de la box. C'est le souci. Ici, un Pothos Global Green. Ça y est, c'est décidé à repartir. J'ai des nouvelles feuilles. C'est bon. Sont belles, hein, c'est de la sphène, ça. À côté, bah, toujours, faudra que je les ressorte un moment pour. Une potée de chêne de cœur variegata. Ici, je suis super contente. On ne voit pas trop encore les caractéristiques parce que ça reste des petites feuilles, mais c'est un Cissus discolore qui donne des feuilles absolument magnifiques. Je suis fan de cette plante, mais bon, c'est waouh, c'est joli quand même. Et le fait d'avoir une petite bouture, ça m'aide. J'en ai d'autres qui ont l'air de pas mal reprendre. Ça reste tout petit. J'aimerais bien pouvoir les remettre ensemble un jour. Ah ben, en parlant d'autres boutures de Cissus discolore, là, c'en est une. Enfin, deux. Celle en bas, là, ben, ça, à mon avis, ça va rien donner, mais je la laisse pour l'instant. Et là, ben, un petit peu de reprise, mais c'est microscopique.
C'est microscopique. Je vais juste vérifier si la petite feuille elle est bien accrochée ou si c'est pour de faux. Ah non, excusez-moi, j'étais dans la tranche de la feuille, c'est pour ça. Donc là, il y a une belle feuille. Je laisse pousser. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt d'avoir une une plante mirifique. Ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était en sphaigne. C'est une bouture, deux boutures. Non, excusez-moi, il y a deux boutures, il y a deux nœuds. Deux. Standleyana, qui en sphaigne, elle ne donnait rien, elle ne donnait rien. Elles étaient toutes belles les feuilles, mais franchement, je suis allée voir les racines une première fois, il n'y avait rien du tout. J'ai patienté, je l'ai remise en sphaigne, j'ai laissé, et en fait, elle commençait vraiment à se tordre. Donc, je me suis dit que ça allait plus. Même si les pieds, les nœuds, ils étaient juste intacts, même pas en train de pourrir. Il faisait plus rien et du coup, bah, il n'arrivait même plus à donner à boire à la feuille parce qu'elle se tordait. Elle s'est vraiment remise en position de repli. Et je me suis dit, quitte à tenter le tout pour le tout, je vais passer en pont. Peut-être qu'avec de l'engrais. Bon, je ne sais pas trop les caractéristiques, mais en tout cas, ça a l'air d'être mieux. J'arrête pas de tourner, pardon. Ça a l'air d'être mieux parce que celle-ci se redresse un petit peu. Celle-ci est presque redressée. Est-ce qu'elle jaunit? Non, c'était peut-être une petite trace sur la feuille. Donc ça a l'air pas, comme on dit, c'est pas pire. Peut-être que c'était la solution. Peut-être qu'en pont, ça va le faire. Derrière, j'ai des boutures de Monstera Adansonii. Bon, ça pousse pas. Il y a des petites feuilles qui arrivent. Mais les moyennes là, j'allais dire les grosses, les moyennes là, elles se traînent, hein, franchement. C'est pareil, je suis pas prête d'avoir une plante ici. Mes fameuses, enfin je dis fameuses parce que j'ai racheté un pied depuis, hein, mes fameuses boutures de Monstera Peru. J'ai bien fait de racheter une plante hein, parce que là, il ne se passe rien. Voir peut-être, je dis bien peut-être que celle-ci là, je ne saurais pas dire de bêtises, mais peut-être que c'en est une nouvelle. Parce qu'en fait, je dis qu'il se passe rien, mais j'essaierai de retrouver des petits bouts de ma vidéo où je vous présentais ma plante à box pour la première fois et j'essaierai de voir combien de feuilles il y avait. Mais c'est pas impossible que celle-ci s'en soit une nouvelle finalement. Alors après vérification d'une vidéo tournée au mois de mars 2023, c'était une bouture en fait, cette petite feuille était sur une bouture et il y avait une racine aérienne qui s'était formée, qui se dirigeait vers la perlite vermiculite mais qui ne l'atteignait pas. Du coup, j'ai raccourci la bouture. De manière à ce que la racine aérienne soit bien dans le substrat. Donc, grosse déception, non, ce n'est toujours pas un nouveau départ. Et toutes mes boutures là de Monstera Peru ne donnent rien du tout, en tout cas pour l'instant. Mais en tout cas, au niveau de la reprise, des départs, des tiges que j'ai déjà. Bon, bah, si j'ai un petit départ, ça va déjà être bien. Mais tout le reste, ça fait rien. Peut-être que c'est en dessous que ça se passe, mais. À part les particularités du miel, on voit pas grand-chose. Voilà. Alors, le bégonia de mon fils a perdu trois ou quatre feuilles. Celle-ci, autant vous dire que. Oups. Ça va. Hop! Et ben voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, elle était plus viable. Celle-ci, elle va suivre le même chemin. Je sens que, ouais, je vais bientôt l'enlever. Bon, après, ce qui est plutôt prometteur, c'est qu'il y a des petites feuilles là. Bon, en tout cas, il y en a une là qui va arriver. Oh, j'ai mis mes doigts devant. Et quelques départs, je pense, là, de feuilles. Mais bon. Elle s'est mise en PLS, je ne sais pas pourquoi. Elle avait de l'eau, elle n'était pas à plein dans son petit pot. J'ai regardé la racine,
Elle me semblait correcte, mais bon. Oh. Toute la cascade de feuilles, là, bah, va falloir repartir de zéro parce qu'il ne reste plus qu'une bébé. Mais c'est pas grave. Et oh là là, regardez-moi ça. Mes trois boutures de. Excusez-moi, faut que je me remette dans le bon sens. Mes trois boutures de Peperomia burbella qui donnent à fond. Alors à droite, là, ces deux-là. Je dis des bêtises. Je sais plus. Non, il y en a. Non, celle-ci, c'était directement une feuille que j'avais mis, que j'avais coupée, que j'avais mis dans la permigermiculite. Ça a super bien donné. Et celle-là et ces deux-là, c'est celle qui était en eau et qui avait déjà donné des toutes petites feuilles en eau. Et là, je les ai passées en perlite vermiculite. Ça se passe très bien. Celle-ci aussi. Et ça, c'était une feuille que j'avais plantée directement dans le. Dans le terreau, je crois. Donc voilà, je pense que je pourrais faire une jolie petite potée d'ici peu. Je suis super contente. Bon, je pense que j'en ai pas oublié. On a fait le tour. C'est assez joli, mais bon, j'ai hâte de pouvoir les sortir, hein, parce que dans la boîte, c'est bien, mais faut qu'elles puissent sortir. Je voulais vous demander aussi quelque chose, parce que j'ai tout, je viens de voir là sur ma Piper Sylvaticum. Donc, il va très bien. J'ai une des dernières feuilles là qui avait repris, qui est magnifique et qui grossit doucement. Hein. C'est pas flagrant, mais je vois qu'elle grossit, elle continue à grandir. Et puis une toute nouvelle là qui arrive derrière. Par contre, je viens de voir, je sais pas si oui, on les voit très bien là. Il y a plein de petites bulles. Je crains, enfin je sais pas, ça fait penser à des petites larves, mais par contre c'est transparent. C'est pas comme s'il y avait des petites, on voyait des petits têtards ou je sais pas comment dire, vraiment on voit la larve en transparence comme sur d'autres espèces. Oups, j'arrive pas à retourner là. Zut. Oh, j'ai pas de perche. Hop, je vais essayer de retourner la grosse feuille pour qu'on regarde de plus près. J'arrive pas. Est-ce que celle-ci est pas plus foncée? Zut. J'ai un doute de savoir si elles sont toutes transparentes ou si c'est une attaque d'une sorte de petite bébête. Ou est-ce que c'est la feuille qui transpire? Enfin non, la feuille, il y a aussi sur les tiges, donc... Je vais surveiller ça de près. Sur l'autre aussi là. Oui, ça veut pas focus, enfin, ça veut pas faire de focus. De toute façon, dans le doute, je vais la nettoyer. Dans le doute, je vais enlever tout ça. Mais je veux bien des informations, si vous savez, si vous avez une idée de ce que ça peut être. Ça m'intéresse fortement. Je vais faire un petit tour aujourd'hui, un petit update des tronçons de Dragon Tail, de Raphidophora décursiva, que j'avais mis en sphaigne. Alors j'avais commencé au mois de février, mais j'avais refait avec vous sur ma vidéo où je recevais une Raphidophora décursiva. Et c'était courant mars. Je n'ai pas regardé depuis un moment. J'y arrivais. En tout cas, je suis contente parce que ça n'a pas pourri. Pas comme mes graines de glycine. Du coup, oh,
déjà. Je vous l'amène, j'espère que ça zoome. Déjà, c'est plutôt bon signe. Il y a un petit kiki. Oh, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais essayer de hop, bien vous mettre en face. J'espère que ça zoome. Alors, je vais délicatement regarder. Parce que ça, c'est un départ. Alors, du coup, en dessous, il y a des racines, sûrement. Donc là, le départ. L'ancienne racine aérienne qui est là, en marron. Et un prolongement de racines ici. J'essaie d'enlever la sphène pour que vous voyez mieux. C'est pas facile. Donc là, il y a une belle petite racine. Un prolongement de racine. Bon, c'est pas encore folichon, folichon. Hein. Je vais laisser ça dans la sphène. Ça va être beaucoup plus simple. Enfin, il n'est toujours pas question de changer de substrat. Je laisse ça. J'ai déjà cassé une feuille ce matin. Enfin bref. Oh, quand c'est délicat, j'ai du mal. Oh, on a la même chose ici. Superbe. Je fais attention. Oh là là. Je ne vais pas forcément tout enlever. Regardez, on voit une belle. Là, regardez, regardez, il faut que je puisse vous montrer quelque chose. En tout cas, ça tient. C'est pris dans la sphène et je voudrais pas enlever la racine, celle-ci, parce qu'elle est plus longue et un départ aussi. Oh, c'est super. C'est vraiment chouette. Alors. Oui, j'avais mis aussi des pépins de je ne sais plus quoi, mais ça a pas l'air hyper folichon. Non, j'ai pas de départ. Tout cas, ça n'a pas germé. Ici. Bon. J'ai un tronçon qui n'a rien fait. On va le remettre tranquillou. Ah, ça résiste un peu ici. Oh. Non, c'est la sphaigne qui est résistée en fait. Ah, zut. Bon, je vais essayer de bien vous montrer si ça veut bien. C'est pas possible, c'est dès qu'il ça. Donc là, il y a une petite racine qui commence à émerger. Je vais me mettre de côté les miens, ce sera plus simple. Il y a une toute petite racine, mais le souci, c'est que là, ce morceau, j'ai l'impression qu'il est en train de pourrir aux deux extrémités. Mais bon, je vais le laisser, hein, tant pis. Je vais essayer de continuer à le laisser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici, pas grand-chose. Une ancienne racine aérienne, mais qui se prolonge pas. Mais en tout cas, c'est toujours en état. Je suis là, RAS, comme on dit. Et un dernier. Ouf. Où il n'y a strictement rien du tout. Donc est-ce que le compte est bon? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a encore un là. Je sais pas si on l'avait vu. Bon, j'enlève cette petite partie-là. C'était une racine aérienne. Encore un où il ne se passe rien, à part peut-être un début de moisissure ici.
Voilà, c'était un petit. Donc deux bons candidats. Deux bons candidats ici. Et puis le reste, on verra. Je vous fais un passage ce matin de la petite plantagère là, que j'ai dans la chambre pour vous montrer. Bon, je n'ai pas encore bouturé. Je sais pas si je vais me décider, mais je vais peut-être y arriver parce qu'il fait encore des magnifiques racines aériennes là, de mon Syngonium Morito. La dernière feuille en date. De toute beauté. En tout cas, elle est au même. Il perd pas de variegation parce qu'elle est vraiment dans la même mouture que toutes les autres feuilles. Donc, c'est super. Ça commence à faire une jolie liane. Hein. J'ai un paquet de feuilles là. Hein. Super contente. À côté, mon Épipremnum Pinnatum variegata a sorti une très jolie feuille là. Alors, trop bizarre comme forme. La partie blanche là, elle est atrophiée, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, finalement, ça la rend vraiment splendide, en tout cas pour moi. Puis toujours des petites panachures de vert là. Elle est mouchetée ici, avec du blanc ici. Oh, enfin bref, elle est de toute beauté. La suivante, ouais, je l'ai raccroché un petit peu ce matin ici pour qu'il se maintienne. Ouais. Cette partie-là, quand j'aurai la feuille d'ouverte, je le raccrocherai au tuteur. Donc voilà la prochaine. Ça a l'air de bien se passer. Si je grimpe, si je grimpe. Il y en a une nouvelle aussi qui va arriver. Et la petite dernière en date est très jolie aussi. Alors, pas plus variegata que ça. Mais. Perforée là, fenestrée, très jolie. Je pense qu'elle va grand... Pardon. Je pense qu'elle va grandir encore un petit peu celle-là. Mon pilea juste à côté, bah, rien à dire. Le tronc est de plus en plus grand. La petite nouveauté peut-être ici, c'est que j'ai mis en pont des racines de Pothos Golden qui avaient bien raciné. Je me suis dit, tiens, je le tente en pont. Je sais qu'il n'est pas compliqué, mais j'ai du bon. Et j'aime bien sa couleur. Hein. C'est Pothos Golden, entre le Marble Queen. Mais bon, c'est du Pothos Golden, mais bien, bien panaché. En dessous, le Syngonium Milk Confetti. Bon, bah, il va toujours. Hein. Fait des nouvelles feuilles. RS. La bouture de White Ghost. White Ghost? Qui se regorge un petit peu. Je sais qu'il faut vraiment, vraiment pas leur mettre beaucoup d'eau, mais j'en mets de temps en temps au pied là dans la soucoupe parce qu'il a tendance à être un petit peu mou et j'essaye de temps en temps comme ça de le réhydrater. Alors là, c'est pas encore très joli, hein. Faites pas attention à la soucoupe, mais j'ai sorti ça de Plantabox en fait. Pour voir un petit peu ce que ça donnait, si ça se desséchait pas trop. La crassula là en bas, ça je sais pas du tout ce que c'est. J'ai récupéré ça sur des petites boutures sur la commune dans les parterres. Hein. J'ai juste prélevé des boutures, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas du tout abîmé la plante. Et ça a l'air de très bien prendre. C'est en période où ça se propage en faisant des racines dans tous les sens, donc j'en ai profité. Et à côté, j'avais deux boutures bah, de l'épipremnum variegata que j'ai mis en pont. Je vais voir ce que ça va donner. Petit outil est sympa. Hello! J'avais envie d'essayer avec vous un petit tuto déco. J'ai besoin d'un tuteur pour mon Gloriosum qui commence à dont les feuilles penchent. Jusqu'ici j'avais un petit bâton mais c'était vraiment pas très joli et j'ai envie de tenter grâce à des petites pousses de bambou
Alors, c'est pas forcément pousse, c'était des. Il y avait des feuilles à une époque, et puis ça a séché, les feuilles sont tombées, et j'ai récupéré ça. C'est du bambou que j'ai dans le jardin. Et j'ai gardé quand j'ai taillé exprès les petits départs là comme ça de feuilles. Normalement c'est plus long, mais je me suis bien amusée à tout couper pour pouvoir avoir des espèces d'échelles comme ça. Et ça permet en fait sur des lianes qui ne sont pas très lourdes, en fait de pouvoir fixer, en tout cas faire accrocher et faire entourer la liane. Je la fais tourner et grimper. Et en fait, ça permet d'avoir un support pour faire reposer la liane sans avoir à forcément avoir un petit bout de laine, un petit bout d'élastique, enfin d'élastique, de scratch pour fixer la liane au tuteur. Donc, j'ai trouvé ça super. Enfin, je trouve ça super pratique et je m'en sers déjà. Sauf que là, j'ai eu envie d'un quelque chose un petit peu plus épais. Et le problème, si je prends plusieurs tiges, c'est que ça part un peu en. Comme ça reste pas droit. Parce qu'il y a très peu de tiges comme ça de bambou qui sont droites. Et du coup, j'ai eu l'idée je me dis que je vais essayer de les fixer à l'aide. Voilà, un petit peu comme ça, grosso modo. Je vais essayer de le faire en direct. Voir si ça marche et si ça vous inspire. Alors, j'avais récupéré de la. Ces ficelles-là, c'était un ancien rideau de porte. Vous voyez, où on mettait ça au-dessus de la porte, et puis quand on passait, on poussait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais bon, ça, la couleur a un peu passé, c'est un petit peu pâlot. Et puis bon, j'aime plus tellement dans ma déco, donc je me resserre, je recycle ça. Donc en fait, ça fait des fils très 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 longs. Et encore, là, ce que je vous montre, ils sont en double. Donc je vais essayer de voir un peu ce que ça donne et je vais certainement me servir du fil en double. Donc je vais essayer de répartir les tiges pour qu'elles soient un petit peu. J'ai une tige centrale là qui est bien droite. Je vais faire en sorte que les autres tiges soient bien autour. Voir ce que ça va donner. Et surtout, je vais garder les picots dispo pour pouvoir essayer de suspendre mes feuilles de Gloriosum. Potentiellement sans avoir de ficelle pour les accrocher. Donc je vais tenter comme ça. Hop, je le fais vraiment en direct avec vous, hein. Parce que cette partie-là a vocation à être plutôt dans la terre. Alors j'espère qu'avec la ficelle, ça va. Je vais peut-être le mettre plus haut d'ailleurs. Ça me fait penser que je vais peut-être démarrer un petit peu plus haut au niveau de mes ficelles. Voilà, j'accroche. Oui, finalement c'est mieux. Je vais partir de beaucoup plus haut. C'est beaucoup mieux comme ça. Je change de sens. Voir ce que ça donne. Là, j'aurais pu faire moins serré, j'aurais pu faire en sorte que ma ficelle parte plus loin, mais j'ai envie qu'on voit un petit peu les couleurs, même si c'est un peu pâle. Il y a du rose. Ah, ça a l'air pas mal. Ça va faire que je ne cache pas les petits picots. Ah oui, j'ai largement assez de longueur de ficelle. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais aller jusqu'en haut. J'ai un peu resserré. Hop, je rechange de sens. On a à peu près ce que ça donne. Je vais voir si ça reste joli dans le pot. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que j'en profite? Donc là, je pense que je récourterai le haut. Je teste. Est-ce que je redescends ou est-ce que je.
Je dois arrêter la ficelle autrement. Non, mais au fond, c'est assez joli. Allez. Bon, c'est pas mal. Ça ressemble à un sucre d'orge un petit peu. Je m'arrange pour ne pas cacher les picots là. Ma foi, ça me paraît pas trop mal. Je vais m'arranger pour fixer ça. Voilà ce que ça donne. Je vais réécourter là, je vous montre. Comme il fait à peu près beau aujourd'hui, j'ai envie de me mettre à dehors, donc avec vue sur le jardin, une petite partie du jardin. Donc je reprends ce que je disais hier sur en fait la customisation d'un tuteur. Donc évidemment, non, il n'a pas de sphaigne. Pour l'instant, les racines ne pourront pas forcément profiter de l'humidité, etc., etc. C'est juste un tuteur de déco, parce que comme vous voyez, mon gloriosum, il n'est pas énorme. Il y a juste une feuille là qui est en train de sortir, mais on n'est pas encore en train de faire en sorte que les racines aériennes s'accrochent au tuteur. On en est loin. Voilà, donc ce que j'avais mis pour l'instant, c'était vraiment pas suffisant, c'était un petit bâton. Puis vous voyez, mon système de ficelles là font que c'est pas assez haut, pardon, ce n'est pas assez haut pour relever les feuilles. C'est pour ça que je vais changer aujourd'hui. Hop, petit cache-pot sympa que ma soeur m'a offert. Je vais essayer de pas trop. Ça va me permettre aussi de checker un peu les racines sans la déranger, puisqu'il va falloir que je trouve un peu de place, que je fasse de la place pour le tuteur, pour pouvoir mettre le tuteur. Je vais enlever un petit peu de terreau. J'espère que vous voyez bien. Hop, je vais tourner un peu. Alors du coup, déjà je vais essayer de défaire ça. Donc du coup, dès que j'ai plus rien, voilà, j'avais vraiment besoin de soutenir un peu les feuilles. Après, c'est vrai que la fois où je le rempoterai, je ferai en sorte qu'il soit un petit peu plus relevé. Mais je l'ai rempoté malgré tout il n'y a pas très longtemps avec mon mélange de terreau, perlite, écorce de coco. Non, écorce de pin, pardon. Il reste quelques fibres de coco, mais je pense que c'était un reste. Je vais même pas essayer. Je vais essayer de voir si les racines viendraient. Non, je préfère même pas je vais même pas le déranger. J'ai pas de racines qui sortent du pot, il est en train de faire une feuille, je vais vraiment pas l'embêter plus que ça. Je vais juste faire en sorte de ne pas casser de racines tout en allant chercher de la profondeur. Là, je vois une racine, je vais faire attention. Tac, je vais libérer, donc je vais essayer de rassembler le plus possible mes tiges de bambou. En sorte que ça aille plutôt comme ça. Ah, paraît pas trop mal. Après, encore faut-il bien caler et bien tasser la terre sans faire mal aux racines, hein. Je vais pas non plus exploser les racines en retenant le tuteur, mais je pense que j'ai pas mal de hauteur. Allez. Je vais m'aider des écorces de pin. Je pense que je vais lui faire un bon arrosage après. Et je vais mettre de l'engrais. Allez. J'essaie de récupérer tout ça. Je reprends le terreau parce que il n'y a pas très très longtemps que je l'ai fait.
Et puis, malgré ce que je disais hier d'utiliser un petit peu des picots là, que j'ai laissé dépasser, bon, mes feuilles sont un peu larges. Ça marche mieux sur des petites lianes de poteaux, ces choses comme ça. Là, je ne me vois pas. Je ne me vois pas continuer à les accrocher. Je pourrais, mais j'ai pas envie de forcer. Donc, je vais réutiliser mon petit fil. Donc, je pense que celle-là est pas mal pour la première. Oh, bah, je vais essayer de garder le même. Je vais voir si j'arrive avec le même fil à accrocher la deuxième feuille. Celle-ci, elle avait pris un pli moins évident. Non, faut que j'aille couper. Voilà, là, petit à petit, j'essaierai de faire en sorte qu'elle se redresse un peu plus. Et puis j'espère qu'un jour, il tiendra tout seul. Quand j'aurai réussi à le rempoter et redresser. Donc voilà ce que ça donne avec, hop, je vais en mettre dans le cache-pot, je vais l'arroser. Voilà, ça fait quand même un petit peu mieux. En plus, sous le soleil, c'est sympa. Voilà. Alors voilà le philodendron gloriosum en place. Ce qui se passe, c'est que j'ai réarrangé les attaches des deux feuilles en fait. Celle du haut était beaucoup trop haute. La feuille, elle était vraiment collée au tuteur et je ne trouvais pas ça très, très joli. Donc je lui ai laissé un peu de marge là vers le bas. Et puis celle-ci, bon, j'espère qu'elle va se réorienter un petit peu vers la lumière parce que pour l'instant, j'arrive pas à faire jouer ça plus bas. Mais comme elle s'est bien tordue, on va voir. Peut-être qu'elle va se redresser en étant attirée vers la lumière de la fenêtre. Mais voilà. C'est mieux comme ça, je trouve. Bon, on a de la hauteur de tuteur. Mais bon, c'est ce que je voulais, hein, pour ne pas les changer tous les 4 matins. Et puis, ça va permettre de voir si la nouvelle feuille s'harmonise bien avec le tuteur. Si elle suit, si je peux l'accrocher dès le début. Voilà, comme ça.